Quatre, euh, quatre petits bouts de pain est un, un événement qui m'est arrivé à Birkano un dimanche après-midi. C'est le seul moment où nous tra ne nous, nous travaillions pas. Et en sortant du baraquement, j'avais en face de moi une silhouette, c'était déjà décharnée, et elle me faisait des signes. Elle faisait des signes, pas seulement moi. Je crois qu'elle faisait, elle faisait signe avec ses mains de, de l'approcher. Et puis, subitement, elle me regarde et elle me dit "Tu es jeune, tu dois vivre." Alors je me suis demandé "Mais qu'est-ce qu'elle veut que je vive Comment elle veut que je vive quand euh, la mort nous talonne à chaque instant elle Me dit. Oui, tu dois vivre. Regarde, j'ai dans ma main du pain. Dans... Elle ouvre sa main d'ailleurs. Elle ouvre sa main tout doucement et avec une... avec une voix à peine audible, elle me dit, tu vois, mange ce pain. Et tu dois vivre pour dire au monde ce qui se passe ici pour que ça n'arrive plus jamais dans le monde. Et c'était quatre petits bouts de pain moisi. Et pour nous là-bas, le pain, que ce soit moisi, c'est la vie. Et c'était incroyable. Je me. ce même avec des mots, c'est difficile à transmettre. Mais je me suis dit que vraiment, c'est elle qui m'a réveillée de l'intérieur. Que ce qu'elle m'avait dit est entré au-delà de moi. Et qu'elle m'invite aujourd'hui à œuvrer humblement là où je suis et de transmettre ce qui s'est passé là-bas pour que ça puisse plus jamais arriver. Et le sens du pain pour moi prend euh, le pain pour moi un sens énorme. C'est le sens même de la vie. À birkano souvent, même dans le plus grand dénuement, je cherchais de réconfort souvent en regardant les nuages qui, volaient qui allaient à toute allure, parce que je savais bien que, que c'est une réalité sur laquelle les nazis n'avaient aucun pouvoir. Donc je pouvais ressentir les choses, ils ne pouvaient pas saisir ce que moi je pouvais ressentir. Donc c'est vrai que même dans les plus grands dénouements, j'ai éprouvé la joie de la beauté et dans les joies de ces joie petits riens, une plume, un rien du tout prend des proportions extraordinaires. Vivre ça veut dire quoi? Vivre ça veut dire d'accueillir en soi sa souffrance, s'accueillir en soi que vous n'allez pas bien, et de ne pas faire semblant d'aller bien quand vous n'allez pas bien. Et de souffrir ça signifie aussi exister. Et quand vous n'allez pas bien, c'est que vous avez en vous le désir d'aller bien. Donc, c'est appelé en chaque être humain ces merveilles de vie et cette immense potentialité pour bâtir demain. Et surtout dans nos enfants aussi. Pour moi, c'est c'est vraiment fondamental. Ah, je dis fondamental. C'est appeler le meilleur de chacun de nous. Et que si moi, une petite fille ordinaire qui a pu traverser ça, c'est qu'il y a en chacun de nous cette puissance de vie à laquelle nous allons tous les jours faire appel en nous-mêmes. Et elle est là, mais souvent nous ne faisons pas suffisamment appel. Oui. Mais elle nous attend. Et elle nous attend tout le temps.